Bonjour, bienvenue sur Route Léger, la chaîne spéciale scout. Aujourd'hui, une bataille sur Abbaye avec mon scout français de tier 8, le Batchat 12 tonnes. Donc, nous sommes au sud et on demande mon aide. Bon, ça, je prends pas souvent les platoons comme ça en début de bataille, comme je l'ai dit, je les prends à la fin. Et vous verrez que je n'ai pas tort. Donc, je vais. Là, une bataille un peu tranquille, c'est une carte couloir. Ici, 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 entre guillemets. Bon, là, donc je vais essayer de voir ce que je peux spotter en début sur l'abbaye. Hein. Souvent, les scouts cherchent à monter là-bas ou des chars moyens. Donc, moi, souvent, je me rends, regardez sur la minimap, ici. Et quand c'est spoté là, ben, je m'avance et je tire. J'essaye de vider mon baril. Voilà. Donc je me mets en position, le WZ monte, le T-37 a l'air de pousser quand même, donc je dis c'est bon. On va y aller tranquille. Vider le clip, si on peut. Je loupe le premier, et voilà. Bon, alors bon, branchement, j'ai dit ça commence bien. Hein. Voilà, donc je ne servis strictement à rien. Je vais pas monter puisque du coup vous prenez, regardez sur les minables, si vous cherchez à monter, mais eux ils vous attendent, hein, voilà. Et je me dis bien que le WZ en tier 7 devrait pouvoir se faire à le T37 entre guillemets. Voilà. Donc je reste en stand-by parce que si vous remarquez bien, il y a du char. On a le P44, le Pantera qui allait carrément au milieu. J'aime pas trop cette zone-là. Tout simplement parce que ici, on vous snipe de suite. Hein, voilà. Donc c'est pas évident. Donc il a dû se mettre à l'abri comme il est, mais vous voyez, il est dans le couloir, il peut pas monter. Voilà, alors il a de la chance parce que si vous regardez bien, voilà, moi je regarde ce qui se passe, on vient de perdre Richard, c'est pas été spoté. Voilà. Vous voyez. Le cavernant ne s'occupe pas du tout. Ne s'occupe pas du tout. Voilà, hein, trop du Pantera, ni du type 58, ça n'a pas l'air de trop taper. Voilà, donc là où il était. Par contre, vous voyez, il y a une petite zone là où on peut se planquer derrière le buisson et bien taper. Donc on mène 2-1, c'est bien parti. Par contre, ça pousse sur la ligne 9 où il n'y a personne. Voilà. Donc je voulais voir ici aussi parce que ça pousse de ce côté aussi. C'est bouché. Par contre, l'IS2 est passé là-bas. Voilà. Voilà, il le flingue. J'ai les obus se perdre à sec. C'est énorme. J'en ai quand même mis un. Voilà. 4-4. Partie un peu serrée. De l'autre côté, il y a le Oni qui pousse. Voilà, on est bien acculé entre guillemets. Hein. Et regardez, si vous regardez bien, ils sont passés ici. Ils sont passés là. C'est pas bien engagé ça. Heureusement que entre guillemets, on a notre Oni qui est toujours sur la base. Voilà. Et là, j'ai fait la traque. Par contre, j'avais pas assez reculé, vous avez vu, au moment du tirer, hein, il m'avait spot à travers le buisson. Et puis c'était trop tard, hein, donc j'ai préféré mettre mes obus. Je suis encore full. Et heureusement que la T8 me l'a fini. Voilà. Donc là pour le moment, je vais aider. Donc en base, on perd 5 à 7. Ça pousse toujours. Bon, le Oni tient, mais le temps de rechargement d'un Oni étant long, il peut se faire rush. Voilà. Et le Cavernaon est à poil. Donc du coup, je change de cible. Et d'ailleurs, je vais d'abord dégager ce couloir. Là par contre je fais pas la même bêtise, je reste bien par la transparence du buisson pour pas me faire détecter et je la mets. Et là je loupe. Voilà. Alors le P43 s'avance. Là c'est autre chose. Voilà, c'est bon. 8-8, on a égalisé. Le couloir est dégagé. Je vais quand même voir parce que notre caverne n'est plus là. C'est bon. On va forcer le T26. Ah, là, tu vois, il est là. Pardon. Une allergie aux obus. Hein. Et là, j'y vais. Alors, j'ai la chance, il s'est retourné. Et...
Il a, vous préférez taper le roulis, tant mieux, bon choix. On a pris l'avantage, mais c'est pas gagné puisqu'on a complètement lâché ligne 1-2, ce que dit le Audi d'ailleurs. Notre AT8 a été spot, je sais pas par qui, à quel moment, ou l'artil, ah ben oui, pas, quand il est venu nous aider, autant pour moi. Voilà, donc là, plutôt que de foncer pour aller chercher l'artil ou je sais pas quoi, on a le type 58 qui est tout seul, qui m'avait demandé d'ailleurs un platoon, mais bon, ça, c'est une autre histoire. J'attends que la T8 s'avance. Léonie, il s'est mis en mode snipe. Hein, voilà. Voilà, le KV3 est là. Il nous manque. Voilà, il est un peu spawn. Leur Oni. Il est spot. Voilà. Donc là, je me précipite pas. Hein, World of Tanks, c'est 15 minutes, vous avez vu, on est à 9. Voilà, donc je me cache. On peut dire que je suis full camo parce qu'il ne me voit pas du tout. Voilà, et j'attends. Voilà, je prends de la détection. Voilà, là le KV3 est mort. Là, je sais que si je me faut y aller. Voilà. Le problème, c'est qu'il s'est vite mis à reculer. Et là, je n'ai toujours pas mon viseur sur le char, donc je me précipite pas. Voilà. Chose que j'avais pas trop, c'est le 40 TP là-bas. Voilà. Donc on attend. Finir le Oni. Voilà, nickel. C'est un gros. Voilà. Il a toujours le canon vert là-bas pour le type C48, donc c'est pas mal. Et voilà. Je me cache un petit peu pour l'artier. Je bouge parce que le caillou, c'est pas le vrai caillou, vous voyez. C'est utile des fois. Hein. Donc nous sommes plus que deux, il nous reste trois chars. Le Skoda, le 40 TP ici. L'essu a été vu ici pour la dernière fois. L'artier, à mon avis, par là, vu le splash. C'est pas sûr. Derrière l'artie, souvent la reste. Donc je ne vais pas chercher l'artie, il m'a loupé. Je le loupe aussi. Voilà, j'en ai une. Je vais pas forcer. L'artie a peut-être pas loin d'avoir rechargé. Je vais faire le proxy en espérant que le Oni, même s'il est là, hein, puisqu'il est encore là le Oni, si vous regardez bien, va pouvoir s'avancer pour me le taper. Voilà. Je fais quand même un peu de mouvement parce que je sais pas où elle est l'artie, hein, parce qu'imaginez qu'elle est ici, elle peut me la mettre ou qu'elle se relocalise après tout, en attendant, voilà. Voilà. Alors, du moment où il est plus spot, je suis plus spot, écoutez, je vais bouger. Changer. Il est descendu, il remontera pas là maintenant, c'est fini. Il est obligé de passer par la petite ville, sortir, il sortira ou là-bas s'il va complètement. Il faut aller le chercher. 2400 de dommages, bon, 800 d'assist, hein, j'ai pas trop fait puisque effectivement on s'est vite retrouvé à défendre la base. Donc. Et là, on trouve l'essu. Je pense que c'est l'Oni qui la spot. Et c'est fait, je pense que l'on y le répétait de suite. Donc pareil, spot, on se cache, arti, on ne sait jamais. Voilà. Donc je m'aperçois que le Oni a fait 3 kills, hop, j'y demande de faire un peloton, et voilà. Voilà pourquoi je prends pas souvent les invites au début. Le 1058 a bien joué, je dis pas, il a fait un kill, il a fait sa game, hein, mais... coup, voilà, là j'assure une petite médaille en plus. Voilà, là la portée de vue de mon char est quand même fantastique, il n'y a pas à dire, vous voyez. Là pareil, je vais pas me faire avoir 50 fois. Hein. Par contre, il a disparu, je pense qu'il est pas... Il était derrière les maisons déjà. Allez, on s'élance. Logiquement, un petit tier 6. Je suis mis live.
je veux plus avoir peur que de l'artie, qu'autre chose. Le Oni m'accompagne, donc on est peinant, on est parti à l'assaut de la base ennemie. Et là, il est là, il va aller se planquer, très bien. C'est fini. Et de suite, éviter l'artie. Voilà. On sait jamais, on sait jamais. Moi, j'aime bien être prudent. J'ai eu pris des 600 à coup d'artie, donc je peux vous dire que maintenant, je suis un peu frileux. Ah, on est content quand on est en quand on a une artie, qu'on fait 600 de dégâts. On est moins quand c'est vous qui les prenez. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Il y en a qui disent que les artis, c'est le cancer du jeu, mais bon. Il y a des chars qui font 1100. Je me suis fait exploser à l'enfoiré avec mon T100 LT avec un type 4 heavy à la gold 1400. One shoot, hein, donc les artis, le cancer, tous les chars cancer à ce moment-là. Donc je vais chercher l'arti pendant que le Oni va à la cape. Ça paraît plus logique. Je passe par le petit couloir. Alors là, le problème, c'est que pour attendre voilà, un mois de snipe, donc j'y vais toujours franco à ce moment-là. Chance sur deux, quoi. Hein. Ou elle vous la met plein fer, ou elle vous la met pas plein fer. Ça y est, le Oni sur la cape. Je vais donc essayer, comme j'ai dit, à 9. À 9, oui. Logiquement, elle se met là, en fin de game, et voilà. Et là, par contre, j'ai pas pu avoir la traque. C'est toujours pareil, au deuxième coup, mais ça me sert plus à rien maintenant. Voilà, hein, comme quoi, je vous dis, les artis, ça peut faire mal. Voilà, partie sympa. Nous allons regarder les résultats de bataille. Donc, les résultats, je finis avec une master, combattant, duelliste, tiré pour déturire et cogneur. Je prends la médaille gros calibre et frère en armes puisque je me suis associé avec le Oni au milieu de bataille, fin de bataille. Et j'ai réussi une mission avec les honneurs. J'en suis pas mécontent, une de plus. Hein, on est en route pour débloquer ce char premium à gagner. Alors, je fais juste un spot. L'artiste a fait, waouh, ça c'est du scoutage, il n'y a pas à dire. C'est vrai qu'au début je me suis mis sur le milieu, donc... l'assist, il n'y a pas à dire, pareil, c'est vraiment plus en fin de bataille, même pas c'était l'attaque ou quoi. Non, non, grâce au retour des actions, bon, j'étais à la portée du Oni, hein. Tout le monde y tapait dessus. Des dégâts critiques, ça c'est assez rare à la batchat, hein. J'ai pas mis d'explos, me semble-t-il. 3200 de dégâts quand même, le 40 TP, il m'a fallu y mettre plusieurs, il n'y a pas à dire. Le T26-4, le Centurion. Et 5 kills, voilà. J'ai eu un petit peu peur à des moments où je ne pénétrais pas, en début de bataille où j'ai loupé mes tirs, là, ça m'a pas plu. Voilà, donc je fais quand même 3273 de dégâts, 1246 d'XP. Le Oni finit deuxième et dernière moi, naturellement. Il a fait presque 2000 de dégâts lui aussi, 3 kills aussi. Hein. C'est un bon joueur. Il a mis 7 tirs, alors, 7 directs, 7 pénés. Voilà, un l'obusier, nickel. Voilà, le Pantera a fait un très bon support aussi, a très bien joué quand il était au milieu. Il s'est écrasé, j'ai pas trop vu à quel moment, moi je pense que c'était pour fuir ou pour voilà, se relocaliser. Voilà, des fois il faut pas grand chose, des fois vous faites des chutes de 10 mètres, il vous arrive rien, des fois vous faites une chute de 3 mètres, vous perdez de 100 PV. Voilà, et c'est peut-être ce qui lui arrive. On le verra plus hein, quand je enregistrerai la bataille. C'était bien aussi, hein, voilà. Donc moi j'ai quand même fait 35 tirs. 25 au but, vous voyez, 22 PV, hein, il y a 10 pertes là, oui, et bon, 22 peiné, pardon, bon, j'ai pas trop fait piou-piou, hein, vous avez vu, j'ai su un peu aller défendre à un moment donné, les chars étaient bien proches, hein. J'ai reçu 4 tirs, 4 peiné, j'ai eu la chance de pas mourir, surtout avec l'explo à la fin de l'artie, donc j'ai repéré, j'en ai endommagé 8, et j'ai fait 6,6 km, j'ai pas mal tourné. Voilà pour cette partie, j'espère que ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie commentée, ciao ciao.